Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue à tous sur Jannah TV pour qu'on puisse ensemble méditer sur un verset du Coran al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Certes, tout homme goûtera à la mort. Nous allons tous passer par cette chose-là, le riche comme le pauvre, le pieux comme le moins pieux. Et il est important de se rappeler la mort souvent, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Aksiru min zikri hadimil ladzat. Et rappelez-vous beaucoup le destructeur des passions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incite à visiter les tombes car celle-ci rappelle l'au-delà. Il nous dit: Zourul qubur fa innaha tuzakkirukum al-akhira. Et comme je vous le rappelle, et vous le savez très bien, que cette vie est éphémère, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahu wa lad-daru al-akhiratu khayrun lil-ladhina yattaqun afala ta'qilun. Et nous allons rien prendre avec nous, simplement nos bonnes actions ou nos mauvaises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Yatba'u al-mayyit thalatha, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu, wa kafa bil maut wa'iza, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين.